pour la dernière demi-heure avec Ali Benarbia, avec Jonathan McCarthy, qui est complètement taré ce mec. McGregor qui va jouer au football. Il vient de nous faire une leçon sur les consultants de boxe et sur l'égocentrisme, ce qui te va d'ailleurs fort bien, bien sûr, bien entendu. Messieurs, on passe à l'after story, bien entendu, avec son merveilleux jingle. C'est bon ça, non? Comme jingle. J'ai été lambda match, telle est la thématique de la semaine. Replongeons 13 ans en arrière, presque jour pour jour. Octobre 2004, donc Ping TV démarre ses émissions. Françoise Sagan va s'éteindre, les choristes cartonnent au box-office. Le PSG va être dans tous ses états, de la vie en rose à bonjour tristesse, il va sur son chemin. En ce 20 octobre 2004, le Paris Saint-Germain, le FC Porto sur sa route. Le Parc des Princes accueille le alors roi d'Europe. Les dragons menés par José Mourinho viennent de remporter coup sur coup la Coupe de l'UEFA et la Ligue des Champions. Mais Chelsea a recruté l'entraîneur le plus spécial et Porto est redevenu une équipe normale. L'après-José est très compliqué. Le tenant du titre de la Champions se pointe à Paris après un 0-0 contre le CSKA Moscou et un coup de blues de son ex. Paris avait terminé l'exercice 2003-2004 à la deuxième place de Ligue 1, à trois longueurs des intenables lyonnais. Mais ce réapprentissage de la C1 n'a rien de sympa. Le PSG reste sur deux revers, dont un 3-0 au Parc face au Chelsea de Mourinho et de Drogba. L'Ivoirien, auteur d'un doublé, avait ponctué son merveilleux coup franc par une célébration verbale captée par les caméras. Allez l'OM ! S'était-il emporté ? Un éléphant, ça trompe énormément, mais Paris le sait, Drogba se plante rarement. Ce Paris Saint-Germain FC Porto, c'est Letizy face à Bahia, Yepes versus Georges Costa, Sana contre Pep, Mbami face à Maniche, Reinaldo face à Derley. Et c'est surtout cette 30e minute. Stéphane Pichot déborde dans son couloir droit et envoie un centre à l'entrée de la surface. Charles-Édouard Coridon se glisse entre Georges Costa et Seitaridis. Le Martiniquais est trop avancé, il stoppe sa course. Sa jambe droite s'élève à hauteur de touffe et c'est du talon qu'il replante le ballon. Un geste de ouf. Son tir rebondit sous le gant de Bahia et rase le montant de l'ancien portier du Barça. Sur ce coup-là, Charles-Édouard Coridon rime avec coup du scorpion, avec aile de pigeon. Une chose est sûre, ce soir-là, Charles-Édouard Coridon rime avec Ligue des Champions. Ce match-là est, Denis Balbir a trouvé le mot juste, une soirée d'exception. Il n'y en aura aucune autre comme celle-ci. Coridon vient de concrétiser ce qui sera le seul but de sa carrière au PSG. Le seul aussi en Ligue des Champions. Un match, une saison aussi difficile à cerner que le français de Vahid ou l'arrivée prochaine de Sergueï Semak. Paris débauchera à la va-vite celui qui lui fera tant de mal sous le maillot moscovite. Face au PSG, Semak en avait planté 4. Pour le PSG, il en claquera 1. Mais ça, c'est encore le futur. Revenons au présent. Une minute après le coup du Coridon, Paoletta crame les dragons. 2-0, ce sera tout et c'est déjà beaucoup. Car vous savez quoi? C'est aussi là le seul but de Paoletta en C1. Et face à Porto, le club qu'il supportait étant gamin, le club où il était passé lorsqu'il avait 16 ans. Les Parisiens tiennent là leur seule victoire en Champions de la saison. Dernier de leur groupe, ils devront attendre 8 ans avant de retrouver la piste aux étoiles, car Paris va connaître ses années molles. Une 9e place en Ligue 1, des changements d'entraîneur à tout va, des transferts en veux-tu en voilà. Bientôt l'opération maintien. Charles-Édouard en pâtira, il partira direction la Turquie. Sa fête l'attend, mais il n'y a plus grand-chose à fêter. Les plus belles années de CEC se conjuguent au passé. L'en avant est derrière lui. Comme il semble loin, le temps l'en soit, où Bollard chantait « Au nord, c'était Coridon ». Mais comment oublier ce but, cette inspiration du Matignino? Comment oublier cette saison? Au bout, il y aura le miracle d'Istanbul mené par Rafa et Liverpool. Cette année-là, l'Europe bande raide, le PSG finit dans le ventre mou, mais Coridon s'inscrit comme celui qui a inscrit l'un des buts les plus aphrodisiaques de l'histoire de la Champions. Coup du scorpion, aile de pigeon, peu importe la description, cette œuvre porte le nom de Charles-Édouard Coridon. Voilà. Bon. Vous vous souvenez de ce match, de ce but de Charles-Édouard Coridon face au FC Porto en Ligue des Champions? Moi, j'étais au stade ce soir-là. En plus, j'y étais avec ma famille. Voilà, et j'avais notamment mon cousin par alliance, archi fan de Porto. Le mec, il est vénère, mon pote, il pleuvait en plus de ouf. Ma cousine n'avait jamais foutu les pieds dans un stade. Donc voilà, c'était assez. Pour la petite histoire, c'était assez marrant. C'est magique. C'est magique. Voilà, vous vous souvenez donc de ce match-là. Voilà. En fait, débordement, centre, on va dire, un peu raté de Pichot. Il n'est pas si raté que ça, le centre. Hein. Parce qu'ils sont deux à aller à Coridon. Je croyais Paoletta qui demande devant le but. Donc le centre, puisqu'il n'est pas en bout de course pour faire un centre en retrait, donc il le fait trop revenir, si tu veux. Et Coridon, au lieu d'être trop avancé, non, c'est qu'il a cette capacité à quand même tendre le talon, comme l'a fait Giroud sur le centre d'Alexis Sanchez. Et il faut énormément de chance.
Je vous rappelle les résultats de la soirée. Qualification pour la Coupe du Monde 2018. Je vous rappelle également que vous continuez de vous inscrire pour le quiz de l'after. Vous appelez le 32-16. Vous choisirez votre équipe, Ali Benarbia ou Jonathan McCarty. On vous attend au 32-16. Ce soir, Mali et Côte d'Ivoire. On fait match nul 0-0. Pas bon pour la Côte d'Ivoire, ça. Ils peuvent encore se qualifier. Ils sont pas mal. Non, mais il fallait qu'ils gagnent. Non, ils se qualifiaient direct s'ils gagnaient ce soir. Exactement. Voilà. Ouais, tu sais. Hein. Victoire du Pays de Galles en Géorgie 1-0. L'Autriche a battu la Serbie 3-2. Du coup, le groupe est complètement relancé. La Croatie a fait match nul à domicile face à la Finlande, un but partout. L'Espagne s'est imposée 3-0 face à l'Albanie et est qualifiée pour la Coupe du Monde. L'Irlande a battu la Moldavie 2-0 avec un doublé de Murphy. L'Italie a fait match nul, un but partout face à la Macédoine. Le Kosovo s'est incliné à domicile 2-0 face à l'Ukraine. Le Liechtenstein a perdu 1-0 à domicile face à Israël. Et l'Islande est allée gagner 3-0 en Turquie. On vous rappelle également les noms des équipes qui sont d'ores et déjà qualifié pour cette Coupe du Monde. Vous le savez, la Russie est qualifiée en tant que pays organisateur. Si mon ordi ne voulait pas me lâcher, je vous donnerai le nom des autres vainqueurs aussi. Eh ben voilà, je les ai. Le Brésil s'est qualifié également. L'Iran, le Japon, le Mexique, la Belgique, la Corée du Sud, l'Arabie Saoudite, l'Allemagne et l'Angleterre, ça c'était hier. Et donc l'Espagne les a rejoint ce soir, je l'ai dit, non ? Non. Tu as dit la Corée du Sud ? Si, Corée non, du Sud. Non, t'as dit Japon ? Belgique, Corée du Sud, t'as dit Japon, Iran. Voilà, ben j'ai pas dit la Corée du Sud alors. Eh ben maintenant c'est dit, mon cher. Allez, tiens, puisque tu parles du Japon, une info qui est tombée également aujourd'hui. Quitte le. Non. Le 10 novembre prochain à 13h, le stade Pierre Mauroy accueillera le match de football entre le Japon et le Brésil. Voilà, deux équipes qui sont qualifiées déjà pour la Coupe du Monde. Ouverture de la billetterie donc pour le match qui vient d'avoir lieu. Alors vous le savez, hein, le Japon qui est mené, tu le disais, par Vaïda Lilodic, ancien d'ailleurs de Lille justement. Ouais. Il y aura donc un match qui se jouera là-bas. C'est plutôt sympa, non? Oui. Voilà, le prix des places va de 70 à 15 euros. Enfin, de 15 à 70 euros même. Voilà. Ah, c'est, non, top, c'est bien. C'est un beau stade. Et c'est un beau stade. Mais attends, à quelle date ? Le match, il est le 10 novembre, à 13h. Il va faire bon à Lille, pour le Brésil. À 13h, ça ira encore. Il y a pire, non ? À 13h, ouais, c'est ça top marche. Ça, à 13h. Ouais. Moi, je suis pour, je veux dire, en France, les matchs entre midi et 14h. Attends, ça veut dire que Hiroki Sakai, il aura découpé Neymar le 22 octobre contre le PSG et il aura l'occasion de le refaire au stade Pierre Mauroy, de lui remettre la misère. Ah, alors, je suis content, je verrai ça deux fois d'affilée. Ça va être ça. Tiens, on vous rappelle également une autre info également de cette journée. André Iniesta a signé un contrat à vie avec le Barça, une première dans les 118 ans d'histoire du FC Barcelone, a expliqué le président Bartomeu. Voilà, ça c'était. Il veut prolonger, c'est Bartomeu qui veut prolonger. Apparemment, il n'a pas prolongé Iniesta. On vous attend au 32-16. Le quiz de l'after, c'est dans quelques instants pour vous inscrire, pour choisir votre coéquipier, on peut le dire comme ça, votre teammate, Jonathan McCarthy. Votre atout. Ou Ali Benarbia, comme on dit en Irlande, bien entendu. Non. Quoi, non ? C'est pas Ali Benarbia ? Benarbia, on dirait comme ça. Ah ouais, comme ça, plutôt. C'est pas Arjun. C'est pas Arjun. N'importe quoi, ça. Bref, on vous attend dans quelques instants au 32-16. Inscrivez-vous pour le quiz de l'after. À tout de suite.